du ministère de l'église la compassion nous avons commencé depuis euh, hier c'est hier hein? alors pour certains peut-être est venu pour la première fois pourquoi ils sont assis et tout ben, parce que c'est le style qu'on a voulu dans cette conférence de prêcher assis pour dire les choses calmement posément amen et il n'y a aucune doctrine qu'il faut prêcher debout amen il n'y a pas de doctrine qu'il hein? faut prêcher debout parce que Jésus prêchait assis debout lorsqu'il a consacré la sainte scène il n'était pas debout lorsque même il a prêché sur euh, celui qui n'a point péché qui lance la première pierre il écrivait par terre et on n'écrit pas par terre debout amen donc euh, il n'y a point de doctrine sur être debout ou sur être assis. Ainsi, comme nous sommes dans une conférence des serviteurs de Dieu, mon message sera axé sur les serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission et il est impossible d'être un centre de mission sans former les serviteurs de Dieu. Sinon, chacun de nous, lorsqu'il ira ouvrir des extensions, fera ce qu'il veut et nous aurons une communauté dont les églises ne sont pas homogènes. Et aussi, nous ne pouvons pas être un centre de réveil, d'évangélisation et de formation si on ne prend pas le temps de former les serviteurs de Dieu. Et dans cette église, beaucoup beaucoup dans les années qui viennent seront puissamment utilisés dans la mission. Amen. Je vous assure, je ne parle pas en l'air. Si Jésus-Christ tarde, c'est ce que nous allons voir. Des extensions répandues dans le monde entier. Amen. C'est pourquoi prenez soin de bien écouter ce que je vous dis, parce que cela provient d'une expérience de 18 ans. On te donne en une semaine. Amen. Nous sommes en train de parler de l'éthique dans le ministère. Ça veut dire de la moralité d'un serviteur de Dieu. Des choses qu'un serviteur de Dieu peut faire et ne doit pas faire. Amen. Hein? Des choses qui constituent le caractère d'un serviteur de Dieu. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, c'est aussi dans ta vie, dans ton comportement. Et il y a un terme très utilisé dans la Bible au sujet. De l'éthique, c'est la conduite. Amen. Une conduite modèle, une conduite irréprochable. Amen. C'est cela que nous poursuivons pendant cette conférence engendrée des serviteurs de Dieu ayant une conduite irréprochable. Amen. Et déjà, le matin, j'ai abordé beaucoup de choses. Je vais seulement les énoncer sans entrer en profondeur, faute de temps. Nous avons dit, le matin, parmi les choses qu'il faut faire ou ne pas faire, un serviteur de Dieu doit éviter la familiarité. Amen avec le peuple de Dieu. Si tu veux réussir dans ton ministère, il ne faut pas tomber dans la familiarité. La familiarité brise le mystère et paralyse le ministère. La familiarité brise le mystère et paralyse le ministère. Jésus-Christ a dit dans Jean 4, verset 44, car... Il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsque tu es démystifié, tu n'as plus d'impact. C'est pourquoi ne tombez pas dans la fraternité. J'aimerais dire à tous ceux qui prêchent dans cette église, qui modèrent, il ne faudrait pas que les gens vous trouvent sérieux seulement quand vous prêchez, vous modérez, mais quand le culte prend fin, vous plaisantez avec les gens, vous vous comportez comme tout le monde. Ça brise votre autorité quand vous montez en chair, parce qu'il voit la même personne qui est en chair, être sérieuse et tout, mais quand elle descend, elle oublie même ce qu'elle a prêché et ce qu'elle a enseigné. Ça détruit la force du ministère. Un serviteur de Dieu n'oublie jamais qu'il est serviteur de Dieu. Amen. Que je sois sur cette chair ou en bas, je suis la même personne. La seule différence, ici, on me donne seulement un micro. Mais en bas, je suis ce que j'ai toujours été. Il n'y a pas un moment où tu oublies que tu es serviteur de Dieu, et un autre tu deviens conscient. Ça brise le ministère où tu deviens le camarade des fidèles, des camarades des fidèles où vous parlez de tout et de n'importe quoi, de sorte même qu'ils peuvent plaisanter. Vous pouvez commencer à blaguer, vous touchez les épaules et tout, tout, tout. Non, tu détruis ta crédibilité. Amen éviter la familiarité dans le ministère parce que ça brise le mystère. Deuxièmement, il faut éviter de devenir un gourou parce que si tu refuses aussi d'être familier, il y a une extrême qui arrive, c'est que tu veux devenir un gourou, un despote, un dictateur. C'est qui y a un mauvais leadership car le leadership de Christ n'est pas fondé sur la crainte et la peur. Le leadership de Christ est fondé sur l'amour et l'influence où tu es le modèle. Nous ne voulons pas des serviteurs despotes, dictateurs. On tremble devant eux. Il y a un culte autour d'eux. Au lieu que le culte soit autour de Jésus, c'est autour de l'homme. Et la parole de l'homme de Dieu est plus importante que la parole de Dieu. Ça aussi, il ne faut pas. Troisièmement, nous avons dit... Il ne faut jamais demander la chair, jamais, car la Bible dit nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Un serviteur de Dieu ne demande pas la chair, ne demande pas la prédication. Même si le pasteur de cette église, c'est ton ami, il n'y a pas d'amitié dans ce domaine où tu dis mon ami, mais comment, quand est-ce que tu vas faire que je prêche Un serviteur de Dieu ne demande pas la chair. Et quand même, on lui donne pas la chair, il ne murmure pas dans l'église à tout le monde. Moi, on me donne jamais la chair. Moi, on me donne jamais la chair. Il murmure. Moi, on me donne jamais la chair. Tu es, tu as un problème d'éthique. Et dans cette église, si on apprend que tu murmures de ne pas avoir la chair, tu ne prêcheras jamais plus. Et si tu viens me demander de prêcher, tu ne prêcheras jamais plus. Et si tu viens me chercher pour dire, pasteur, tu as beaucoup de relations, est-ce que tu peux pas me recommander chez tes amis pour que je prêche? Je ne te recommanderai jamais. Lorsque Dieu t'appelle, il te recommande lui-même. Parce que Dieu, lorsqu'il te donne le travail, il fera que tu aies à faire. Lorsque tu, tu dis que Dieu t'appelle, mais tu manques à faire, il t'a pas appelé. Quand Dieu appelle un homme, il le surcharge de travail, de sorte que tu as besoin d'avoir des journées de 48 heures. Amen. Si tu sens que tu chômes dans l'œuvre de Dieu, tu n'es pas appelé. Tu n'as pas d'appel. Comment Dieu peut t'appeler et puis te donner rien à faire Tu t'as pas appelé, c'est toi-même qui t'es appelé. Amen. Il ne faut jamais demander la chair jamais aller toquer aux portes où tu vas dans un voyage missionnaire et puis tu toques aux portes. Je suis là, je suis là, je viens de Kin, je viens de Kin, je viens de Kin, je viens de Kin et puis tu montes ma photo avec toi. Je suis le fils du pasteur Marcelo, je suis le fils du pasteur Marcelo. Tu n'as pas d'éthique. Amen. Ne faites jamais cela. Nous avons encore dit le matin qu'il ne faut pas donner la chair à n'importe qui et il ne faut pas créer des relations derrière la chair. Car certaines personnes créent des relations derrière la chair. Je t'invite, tu m'invites, nous nous invitons. Quand j'ai une conférence, je t'invite. Quand tu as ta conférence, tu m'invites. Alors si l'autre ne t'invite pas quand il a sa conférence, tu te fâches. Amen. Je te bénis, tu me bénis. Je te bénis, tu me bénis. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la diplomatie. Amen. Et dans la Bible, dans Apocalypse 2, verset 20. L'Église de Tyatir était condamnable parce que la Bible dit :« Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » L'une des choses qui était reprochée à l'ange de l'Église de, de Tiatir, c'est qu'il il cédait sa chair à quelqu'un qui ne devait pas l'avoir. Amen. Ça, c'est ce qui a été dit le matin. Pour vous qui n'étiez pas là, à clamer le Seigneur, Dieu a eu pitié de vous. Pour ce soir, on peut m'ajouter le volume, je suis un peu fatigué. Pour ce soir, il ne faut pas monter en chair sans avoir prié ou médité. Il ne faut pas monter en chair sans avoir prié ou médité. Il ne faut pas prêcher par habitude. Amen. Luc 6, verset 12 nous dit, En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Jésus, le Fils de Dieu, passait toute la nuit en train de prier. Le Père, avant d'aller guérir les malades, chasser les démons. L'une des maladies qui arrivent dans le ministère, c'est lorsque tu t'habitues au ministère. Où tu n'as plus besoin de prier avant de prêcher. Tu n'as plus besoin de méditer avant de prêcher. Tu réchauffes la prédication et puis tu la donnes. Tu ne cherches pas Dieu et puis tu viens parler de sa part. Tu dis des choses sur base de ton ancienne expérience, mais pas en fonction de ce que Dieu t'a communiqué. Ne tombe jamais dans cette habitude-là. Sinon il va t'arriver ce qui est arrivé à Samson. Qu'est-ce qui est arrivé à Samson dans Juge 16, verset 20 Elle dit alors, Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson était habitué à manipuler l'onction sans communion. Il était habitué à servir Dieu sans communion. L'onction de Dieu continuait à couler sur lui malgré le péché. L'onction de Dieu continuait à couler sur lui malgré qu'il n'avait pas de consécration et lui pensait que ça allait continuer ainsi. Jusqu'à ce qu'un jour, il a cru qu'il allait faire les choses par habitude des miracles par habitude sans connexion à Dieu. Mais ce jour-là, Dieu n'était pas là et on l'avait crevé les yeux. Ne t'habitue pas. Lundi, tu pries et puis tu prêches. Mardi, si on te dit de prêcher, prie encore avant de prêcher. Amen. Ne travaille pas mardi avec l'onction du lundi. Chaque jour doit avoir un prix à payer. Amen. Lorsque nous allons dans les hôpitaux, tu vois, un médecin, il vient avant de te piquer, il se lave les mains puis te pique. Une deuxième personne vient, qu'est ce que le médecin fait? Se lave encore les mains et te pique. Il ne va pas dire Non, je m'étais déjà lavé les mains, je ne me lave plus les mains. Il se lave les mains à chaque piqûre et tu dois chercher Dieu à chaque prédication où tu as l'onction de la prédication et tu as médité la parole, sinon tu vas communiquer au peuple de Dieu une nourriture frélatée, périmée. Amen. Ne te tiens jamais on peut m'arranger ça ne te tiens jamais devant le peuple de dieu sans le dieu du peuple de dieu ne te présente jamais devant le peuple de dieu sans avoir cherché le dieu de ce peuple ne te présente jamais avec la bible sans l'avoir lu ou tu es en train de la méditer pendant que tu la prêches amen ou tu es en train de découvrir toi-même le verset que tu es en train de prêcher tu le découvres à la maison tu l'approfondis à la maison et si Dieu fait que tu aies des révélations pendant que tu prêches, gloire à Dieu. Mais tu as fait la, ta part de chercher à connaître en profondeur les écritures que tu vas communiquer. Amen. La Bible dit ceci, dans Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous allez m'excuser, mais je dois le dire. Certains disent qu'ils ont l'appel de Dieu, mais ils n'ont pas l'appel de Dieu. Amen. C'est pourquoi des fois dans ta vie, il faudrait que tu puisses rencontrer des personnes qui mettent, qui remettent en question ton appel. Amen. Qui remettent en question ton appel. Parce que Dieu lui-même dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent. Alors donc, s'il y a beaucoup trop de gens qui enseignent, est-ce que Dieu les a appelés Parce que Dieu ne peut pas se contredire, où il dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent, mais lui il appelle trop d'enseignants. Pour ce qui est du ministère de l'enseignant, si tu dis que Dieu t'a appelé à un ministère d'enseignant, tu dois en donner les preuves. Comment tu peux dire que tu as un ministère d'enseignant, mais quand tu enseignes on ne comprend rien Comment tu peux dire que tu as un ministère d'enseignant, mais tu n'aimes jamais les choses profondes Comment tu peux dire que tu as le ministère d'enseignant mais tu n'as même pas formé un seul enseignant Comment tu peux dire que tu as le ministère de l'enseignant mais tu t'ennuies même des écritures Comment tu peux dire que tu as le ministère de l'enseignant alors que la simple doctrine de base, tu ne la maîtrises pas Amen. Chers serviteurs de Dieu, on ne choisit pas un ministère pour sa propre gloire. Tu es qui Docteur. Je suis docteur de la parole. Docteur de la parole. Faites très attention, vous qui dites être des docteurs de la parole, parce que les hérésies viennent des docteurs. Amen. Hein C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'il y ait beaucoup de docteurs, parce que quand il y a beaucoup de docteurs de la parole, il y a beaucoup de doctrines et les hérésies peuvent entrer. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as été dans une école biblique que tu as l'appel de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu t'a dit que tu as l'appel que tu as l'appel. Ce n'est pas parce qu'un prophète a dit que tu as l'appel que tu as l'appel. Quand tu as l'appel, Dieu lui-même te parle et t'appelle. Si ton appel est fondé par l'école biblique, par une école du ministère, ton appel est fondé par des prophètes et des visionnaires qui t'ont dit sans que Dieu t'ait parlé, tu n'as pas l'appel de Dieu. Parce que Dieu lorsqu'il appelle un homme, il se donne la peine de lui parler et de lui confirmer qu'il est son appelé, parce qu'il sait qu'un jour, tu rencontreras Pharaon, et si tu n'es pas sûr d'être appelé, Pharaon va te tuer. Et un jour, quelqu'un te posera la question, qui t'est établi sur nous? Et tu dois répondre, je suis. As-tu déjà entendu Dieu? Toi qui dis que tu as l'appel de Dieu. Tu as déjà entendu Dieu. Si tu n'as pas entendu sa voix audible, est-ce qu'il t'a déjà parlé clairement par une vision, par un songe? Est-ce qu'il t'a clairement parlé? Parler, clairement parler que tu es son appelé. Car si tu n'es pas appelé de Dieu, mais tu fonctionnes comme un appelé de Dieu, tu vas échouer dans la vie. Tu vas être dans une destinée qui n'est pas tienne et tu vas t'attendre à une provision qui ne viendra jamais parce que Dieu ne te considère pas comme son appelé. Amen. Amen. As-tu l'appel de Dieu? Dieu t'a appelé. Est-ce que Dieu t'a parlé Est-ce que Dieu t'a dit C'est pourquoi, s'il s'avère que une fois ou deux fois, tu as entendu une voix, je ne dis pas directement que c'est la voix de Dieu, ne te précipite pas de dire que c'est Dieu parce que si Satan parle, amen, hein? à la première voix que tu entends, tu dis Dieu m'a appelé. Non, il faut discerner et éprouver cette voix pour être sûr que c'est Dieu. Parce que Satan aussi parle et il peut te parler pour détruire ta vie. Ou toi tu n'es pas appelé à être pasteur ou docteur, apôtre. Tu as appelé à être un homme d'affaires, mais Satan vient te dire que tu es pasteur et tu entends la voix. Une fois, tu arrêtes tout et tu vas, tu fais le pastorat, Et au dernier jour, Dieu te dit Je ne t'ai jamais appelé. Et tu dis Non, c'est toi qui m'avais parlé. Mais non. Pour tout le reste des choses dans ta vie, tu discernes. Mais quand une voix te dit que je t'ai appelé, tu ne discernes pas. Comprenez-vous ce que je dis Un appelé de Dieu, lorsqu'il commence à entendre des voix, il résiste. Il ne résiste pas par désobéissance, il résiste pour être sûr que c'est Dieu. Parce que dans le domaine des voix, il y a plusieurs voix. Même ta propre voix peut te parler. Si il y a une période difficile que j'ai eue dans ma vie, c'est quand Dieu m'a appelé. Je vous assure c'était pas facile. Qu'est-ce qui m'arrivait? Le matin, une voix te dit des choses. À midi, une autre voix dit des choses contradictoires. Et le soir, une autre voix contredit toutes les premières choses. Et cela t'arrive pendant deux semaines. Tu lis les prophéties, tout est chamboulé, rien que des contradictions des contradictions et dans cette marmaille, cette marmelade, tu dois découvrir qu'est-ce que Dieu a dit et tu pleures, tu pries pour que Dieu te dise si c'est lui ou si c'est pas lui et il ne dit rien. Quand tu es à cette phase-là, est-ce que tu peux commencer quelque chose Un homme qui a la confusion dans son appel n'apporte que la confusion. Et comment Dieu m'a répondu Il ne m'a pas répondu comme j'ai voulu. J'ai cru que comme j'entendais des voix, il me répondra par une voix. Non, il m'a répondu par la paix. La paix. Et cette paix parlait, car Dieu a plusieurs manières de parler. Il peut te donner la paix, mais la paix parle. Cette paix me disait ceci, je t'ai appelé, mais tu ne comprendras pas tout du coup. Tu me suivras pas à pas et je te dirigerai. Et pas à pas, je l'ai suivi. Il me dit dix choses, je fais dix choses, deux choses, deux choses, comme jusqu'aujourd'hui. Même pour ce qui est du déménagement de l'église, de la construction, si vous ne sentez pas encore, je commence à lancer la construction parce que j'ai besoin d'entendre clairement ce qu'il veut et savoir. Clairement, pas parce qu'il y a une réunion des anciens ou réunion des papas de l'Église ou les conseils des architectes, mais au-delà de toutes les réunions, il faudrait que celui qui m'a appelé dans mon enfance me parle et me dise, maintenant tu peux bouger. Car si tu te déplaces avant la colonne, tu échoues, tu te déplaces après, tu échoues. Il faut que tu marches avec la colonne. Amen. Hein? Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Étant donné qu'il y a plusieurs ministères, tu dois être sûr c'est lequel. Parce que tu peux aussi dire que Dieu t'a appelé, mais tu confonds. Tu penses que tu es prophète alors que tu es évangéliste parce que tu aimes le prophétisme. Vous comprenez ça hein Il y a beaucoup d'évangélistes qui se font prophètes. Qui se font prophètes parce que c'est la mode. Il faut être prophète, mais il n'est pas prophète. C'est un évangéliste, mais comme tu est évangéliste. Et tu veux être prophète. Jusqu'à ta mort, jamais l'onction évangélique ne va opérer sur toi et jamais tu ne feras le travail de l'évangéliste parce que tu voulais que Dieu t'utilise à ton goût. Tu peux être un apôtre, tu refuses l'apostolat parce que ça c'est l'orgueil, n'est-ce pas Si quelqu'un dit Dieu m'a appelé, je suis apôtre, ah l'orgueil. Moi je veux pas, je suis pas apôtre, moi je suis pas apôtre. Moi je suis pasteur. Et tu penses que cette humilité spirituelle, alors que tu as fui ta destinée, c'est comme si Dieu t'appelle à être un lion, tu dis je suis un chat. Si tu dis avoir l'appel de Dieu, tu dois un être sûr qu'il t'a appelé, tu as vraiment entendu son message, deux, tu dois être sûr que c'est tel et tel ministère, tu dois être sûr aussi du message qu'il t'a donné. Quand il appelle Moïse, le message va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Amen. Quand il appelle Joseph, son appel c'était quoi? De prendre soin de Jacob. Amen. Quand tu dis que tu as l'appel de Dieu, il t'a dit quoi? Et tu fais quoi? Et si même il te l'a dit, es-tu en train de faire ce à quoi il t'a appelé? Pendant que je parle là, appelé de Dieu. Es-tu en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé? Es-tu en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Si tu mourais maintenant, le Seigneur dira-t-il bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître Est-ce qu'il le dira Amen. Qui n'est pas beaucoup qui enseigne. Tant que tu n'es pas sûr de l'appel de Dieu, mon frère, ne fais rien. Amen. Hein ne fais rien. Même si moi ton pasteur je te pousse, ne fais rien. Dieu est au-dessus de moi. Amen, hein. Ou tu dis, pasteur, merci de m'honorer. Mais moi, je ne sens pas l'appel de Dieu. Ce n'est pas que non, tu n'as rien, tu, 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 tu n'es rien. Non, tu es complexé. Non, d'ailleurs, c'est vraiment ça, être sincère. Amen, hein. C'est être sincère. Imagine que tu n'as pas suivi une formation de commando, et puis je fais de toi un commando, et puis je t'envoie au front, et puis tu meurs. Amen. Il ne faut pas monter en chair sans avoir prié ou médité. Il ne faut pas servir Dieu par habitude. Il ne faut pas entrer dans le ministère sans être sûr que le Seigneur t'a appelé. Une autre chose. Non, je sens de revenir un peu. Excusez-moi. Voici. Ce n'est pas parce que tu sais parler que tu appelles à prêcher. Parce que tu peux savoir parler naturellement, c'est une qualité naturelle, mais ce n'est pas l'appel de Dieu. Moïse était bègue, mais il était prophète. Et il y a des gens parce qu'il a des qualités naturelles, ils pensent que c'est l'appel de Dieu. Non. L'appel de Dieu est au dessus des qualifications naturelles. Ce n'est pas parce que quand tu parles, tu donnes des conseils aux gens, les gens disent Tu es sage, que tu es pasteur. Amen. Hein? Ne transformez pas vos aptitudes naturelles en dons spirituels, en onction et en appel. Et ne rejette pas l'appel de Dieu parce que tu as des limitations naturelles, parce que l'appel de Dieu est au delà de ta nature. C'est pourquoi Dieu appelle un bègue à être l'un des plus grands prophètes du monde. Amen. Ce qui fait que tu ne dois pas te regarder pour répondre à l'appel de Dieu, tu dois regarder à Dieu pour répondre à son appel. Amen. Comme je parle beaucoup, comme moi je convainc les gens, tu peux être un bon juriste, mais Dieu ne t'a pas appelé à être prédicateur. Le juriste, il sait convaincre, mais ce n'est pas pour autant que comme tu sais convaincre que tu as l'appel. Et ce n'est pas non plus parce que tu as une sagesse humaine. Il y a des gens comme ça, naturellement sages, ils vous conseillent, ils mettent la paix. Ah, toi, tu es pasteur. Aussi. Ce n'est pas parce que des foules te suivent que tu as l'appel, parce que l'homme peut suivre l'homme seulement parce que l'homme les pâte. C'est pourquoi les sectes ont des gens. Être suivi par des gens n'est pas le signe de l'appel. Des fois, ça peut être seulement un effet de masse, un effet de foule, un effet psychologique. L'appel, c'est lorsque tu es conforme à Dieu. Amen. Hein ce n'est pas la foule qui détermine, ce n'est pas l'aptitude naturelle. Une autre chose, nous sommes en train de parler de l'éthique dans le ministère. Il y a un passage qui m'a beaucoup édifié, c'est le passage de 1 Timothée, quand on avait lu euh, 1 Timothée 3, versets 14 à 15, où Paul dit, j'aimerais que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Et on part de la maison de Dieu. Voyons un peu dans nos maisons, comment on se conduit dans nos maisons. Si je viens chez toi, Comment je vais me conduire? Un, Je vais frapper à la porte. Je vais attendre que tu m'ouvres. Et quand tu m'ouvres, je reste à ta disposition. Parce qu'il peut se faire que dans ta maison, on reçoit d'abord les gens à la véranda. Et je m'assieds à la véranda. Et si tu décides, non, on s'assied pas à la véranda, on entre à la maison, j'entre dans le salon. Et quand tu m'amènes dans le salon, je ne peux pas décider où je m'assieds. C'est à toi de me dire, assieds-toi sur le canapé ou sur telle et telle chaise. Et je m'assieds. Et quand je m'assieds, je suis à ta disposition. Si tu veux me donner de l'eau, tu me donnes. Du jus, tu me donnes. Si tu veux pas, nous causons. Mais je ne peux pas, du coup, j'entre dans ta chambre, et puis, du coup, j'entre dans ta maison, du coup, je commence à chercher moi-même les toilettes, ou après, je suis tellement fatigué, puis je dors, et puis je prends un drap, je me couvre. Est-ce que je suis normal? Si, pour les maisons humaines, il y a une manière de se conduire, à combien plus forte raison la maison de Dieu? S'il y a une manière, et suppose, je suis un frère en Christ, j'invite mon pasteur à la maison, il entre chez moi sans me poser de questions, il va dans ma chambre et puis il dort. Est-ce que je veux continuer à prier dans cette église? Tu vas quitter l'église parce que le pasteur n'a pas su se conduire dans ta maison. Et maintenant, si tu entres dans la maison de Dieu qui est l'église, la colonne de l'appui la, de la vérité, tu ne sais pas te conduire. Qu'est-ce qui va t'arriver Tu vas vivre un output spirituel. C'est pourquoi il y a des gens qui sont excommuniés des églises, suspendus souvent dans les églises. Pourquoi Ils ne respectent pas comment on se conduit dans l'église. Il y a une manière de se conduire dans l'église. Même pour vous les fidèles, un jour on va donner tout un séminaire sur comment même vous les fidèles vous devez vous conduire dans la maison de Dieu mais là c'est un enseignement pour les serviteurs comment on se conduit dans la maison de Dieu. Voyez, je suis venu mais ben, j'étais là depuis le matin à midi le soir. Alors je suis down, j'étais à Lubumbashi, j'étais j'étais, je suis chaos. Alors j'ai dit déjà aux anciens suite à cette fatigue, permettez que je vienne à telle heure. Mais malgré que je viens à cette heure-là, est-ce que vous me voyez j'entre comme ça et puis directement je monte de la porte à l'église, j'entre, je m'assieds pas. Et puis je monte ici. Vous avez vu ça Je ne fais pas ça. C'est une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Je arrive d'abord, je m'assieds. C'est une simple chose, mais ça fait preuve de beaucoup de choses. Vrai ou faux Je m'assieds. Je prends le temps de prier, le temps d'adorer avec les autres, quelques temps, même si je sais que le temps il, il va vite. Et après, je monte, mais je ne peux pas, de ma voiture, je monte là, du coup, ça veut dire quoi Il prend l'église pour sa maison, mais c'est une petite chose, mais ce n'est pas une petite chose, c'est une grande chose. J'entre chez toi à la maison, je frappe, du coup, je suis dans ta cuisinière et je commence à prendre la bouffe, je mens. Ça veut dire quoi C'est un pasteur mal poli. Amen. Quel genre de visiteur aimes-tu recevoir chez toi N'est-ce pas que ce sont les visiteurs qui se tiennent bien Vrai ou faux Les visiteurs qui se tiennent bien, nous avons le plaisir de les recevoir. Il vient chez toi, il te cause, il te parle, mais respecte ton temps, il sait qu'il t'a déjà pris 30 minutes, une heure et puis ah pasteur, je vous laisse parce que tout tout tout, tu as le plaisir de le recevoir parce qu'il sait comment se tenir dans la maison des autres. Il en est de même dans l'église. Dieu élève les gens qui savent se tenir dans sa maison. Vous comprenez ça? Alléluia Il, Dieu élève dans sa maison les gens qui savent se tenir dans sa maison parce qu'ils le mettent à l'aise. Tu reçois un visiteur, il commence à monter sur les chaises, il met les pieds sur les tables et tout le reste. Quand il frappe à la porte, tu serais heureux? Tu serais heureux? Non. Mon propre fils, il me dit dernièrement, papa, lorsque je reçois tel, je montre tous mes jouets. Quand l'autre autre ami vient, je montre que les jouets qui sont solides. Et quand l'autre autre vient, je fais disparaître mes jouets. Mon fils sait que yé, Aboukara joué. Oh, il faut va jouer à ma casse. Oh, il joué à la terre qui est en déjà catégorisé, bah, master. Et tu penses que Dieu ne le fait pas Il dit, lui, je peux l'élever à tel niveau. Lui, à tel niveau, à tel niveau. Pourquoi Lui, il va casser les jouets. Lui, il va faire disparaître les jouets. Lui, il peut jouer avec tous les jouets, il va me les rendre intacts. Amen, hein? Amen. Amen. Et sache que chaque maison a des travailleurs, n'est-ce pas Et un travailleur peut savoir que, ah, vraiment, le visiteur du patron, celui-là, il est mal poli, n'est-ce pas Il est entré directement lui-même à la cuisine. Il a, ouvert les, il a ouvert les casseroles. Nous, nous sommes aussi les serviteurs, les domestiques de Dieu. Nous travaillons dans la maison. Nous pouvons savoir que toi, non, 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 le patron est très en colère. C'est pourquoi des fois, tu as des suspensions. Amen. Voici une autre chose. Il faut être poli. Dis à ton voisin, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, madame. Ça fait classe. Amen. Voici un passage terrible que Paul donne à Timothée. Timothée qui est le pasteur. Dans Intimauté 5, 1, 2 et 3. Intimoté 5, 1, 2 et 3. Il dit, ne reprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Des fois, mon papa Odon est mon collaborateur. Je suis son supérieur. Papa Odon est plus âgé peut-être que mon père. La manière dont je parle à papa Odon est différente de la manière dont je peux parler à Sion. Amen. Papa Oudon peut faire des choses qui me déplaisent, mais la manière dont je vais lui parler, ce n'est pas la même manière que je vais utiliser quand je parle à Sion, parce que la Bible le dit. Ne reprimande pas rudement le vieil, le vieillard. C'est-à-dire, je peux reprimander rudement le jeune, mais pas le vieillard, la Bible le dit. La Bible dit, ne reprimande pas rudement le vieillard. Je peux parler à un jeune d'une certaine manière, à une maman d'une autre manière, à une jeune fille d'une certaine manière, à une maman d'une autre manière. Quand je suis entré dans le temple, les jeunes entraient, je les salue, ça va, ça va, ça va. Mais quand je suis arrivé à la porte, j'ai vu une vieille maman que j'aime beaucoup. Chaque fois que je la vois, elle me rappelle ma grand-mère ma grand qui est décédée. Je l'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Alors, quand j'entre... Je la vois comment elle marchait lentement, mais il vient toujours à l'église cette maman-là. Et puis je me suis arrêté à la porte. Maman, est-ce que ça va? Ah non, on m'a opéré, mais j'ai mal au pied. Ah j'ai rarement avant de prêcher, je prie pour les gens ou je cause avec les gens. Tous ceux qui travaillent avec moi, le sable, le pasteur ne cause pas avant de prêcher. Il ne prie pas pour les gens avant de prêcher parce qu'il doit se concentrer. Mais pour elle, je me suis arrêté à la porte de l'église ce matin. Aujourd'hui soir, j'ai lui imposé les mains. On a un tout petit peu causé et je suis venu. Pourquoi C'est un vieillard. On ne traite pas tout le monde de la même manière. Si tu traites tout le monde de la même manière, tu seras mal poli. Amen. Hein tu seras mal poli. T'es botem, bottez-en, bottez-en, bottez Eh, tous en moroté, n'églisez-en, et ça, je n'ai Amen, Et aussi, les gens disent, ah, l'église compassion, c'est l'église des jeunes. Vous savez que l'église compassion n'est plus une église des jeunes? Il y a maintenant beaucoup des adultes, hein. Et même certains, beaux-abas, miqués, les co et poussani. Vrai ou faux? Oui. Vrai ou faux? Miqués, me bambou les os poussanats. Il y a beaucoup de gens ici qui ont 40 ans, vrai ou faux oui. Alors une église des gens qui ont 40 ans, c'est une église des enfants non. non. Alors tu te tiens devant une église dont maintenant la moyenne d'âge c'est 40 ans ou 35 ans, tu leur parles comme si c'était à l'écodime 12 ans, 13 ans. Non, non. Il y a moyen d'être autoritaire mais dans la politesse. Amen. Tu es autoritaire mais dans la politesse. Et Paul dit à Timothée. Ne reprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Amen. Papa Odon, il vient. Oui, pasteur. Euh, papa Odon, j'ai pas aimé ça, ça. Ça, il faut corriger. Papa, il faut pas dire ça. Il faut pas faire ça. Ah oui, pasteur. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Mais Sion, Sion! Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Il est jeune. Je peux lui parler comme ça. Amen, hein. Mais si tu as le même thème pour tout le monde, tu es mal poli et tu manques d'éthique. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Parce que si c'était mon père, est-ce que je vais lui parler comme ça Amen. Je ne vais pas lui parler comme ça. Mais exhorte les jeunes gens comme des frères quand tu traites les frères de l'Église. Si en chaque frère de l'Église je vois mon frère Olivier, il y aura une manière de faire. Chaque fois que tu traites les autres, vois ton père, vois ta mère, vois tes frères, vois tes sœurs. C'est ce que la Bible dit. Quand tu traites avec une sœur, je vois ma sœur. Est-ce que moi, je peux draguer ma propre sœur? C'est pourquoi je ne draguerai jamais une sœur dans cette église. Parce que vous êtes fifi et bibi. C'est l'inceste. C'est l'inceste. Comment tu es prédicateur, pasteur, tu vas draguer une sœur, tu vas draguer ta sœur. Alléluia. Et maintenant, est-ce que je peux détruire la vie d'Olivier? C'est pourquoi je ne détruirai jamais ta vie, parce que tu es mon, mon frère. Voyez en chaque adulte, votre père, votre mère, voyez en chaque frère, sœur, votre frère et votre sœur. Du coup, vous serez poli. Du coup, vous comprendrez. Vous serez tolérant. Parce que vous voyez votre frère, votre sœur, votre mère et votre père. Amen. Et écoutez encore. Ne reprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pu, en toute pu pureté. Pourquoi qu'on arrive comme des sœurs en toute pureté Parce que quand on arrive aux sœurs, il y a de l'impureté. C'est pourquoi, lorsque même tu es serviteur de Dieu et qu'une femme a des choses à te dire, refuse qu'elle entre dans les détails. Amen. Ma sœur, tu as péché Oui. C'était quoi L'impudicité, c'est fini. Je sais, l'impudicité, c'est quoi Ne m'explique pas comment. Oh non, et puis Nazam Kolo, kawana Batela En français, pour ceux qui nous suivent sur Internet, ces yeux vont se plaindre. Ah ça, vraiment, en français, on dit ça comment Il faut apprendre le lingala. C'est devenu une langue internationale. Je suis devenu l'ambassadeur du lingala au monde. Ouais, il y a des entiers qui parlent un peu de lingala maintenant. N'entre pas dans les détails, ne cherche pas à des détails parce qu'il y a des servantes de Satan qui viennent vers toi pour des cures d'âme en fin de te faire tomber, en te dévoilant des choses impures, en fin de salir tes pensées et avec le temps tu finiras par tomber. Gardez la pureté. Amen. Lorsque j'étais célibataire et que je sentais qu'une fille tombait amoureuse de moi, vous savez ce que je faisais Je la confiais à quelqu'un d'autre. Ne continue pas à encadrer une soeur qui ne te voit plus comme un frère. Ne continue pas à encadrer un frère qui ne te voit plus comme une servante de Dieu, mais comme une femme. Donne-la à quelqu'un d'autre. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu es homme de Dieu, pas Dieu de Dieu. Amen. En toute pureté. Pureté quoi. Lorsque dans le ministère, tu commences seulement à sentir des pulsions mauvaises envers une femme ou envers un homme, parce que je crois au ministère des femmes, lorsque tu commences à avoir des pensées mauvaises envers un homme ou une femme, là le ministère n'agit plus. Il faut laisser. Tu es en mauvaise pente, confie ça à quelqu'un d'autre. Si tu joues au rameau commando, Chose n'est guère, tu tomberas. Ce sont les forts qui tombent, les faibles ne tombent pas parce que les faibles fuient le combat lorsqu'ils savent qu'on va les gagner. Le champion du monde n'est pas l'homme le plus fort du monde, c'est celui qui ne monte sur le ring que si c'est qui va gagner. Hmm. Toi qui joues au gangster, tu tomberas. Amen, hein? ou quand tu es avec la sœur, tu sens une autre onction qui n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Fais attention, tu vas faire le service. C'est pourquoi moi, je n'aime pas une femme qui aime me côtoyer sans côtoyer ma femme. Tu as quel problème Tu as quel problème tu aimes seulement cause avec moi. C'est moi, c'est moi, pas ma femme. Si ma femme est là, du coup, tu n'as plus rien à dire. Tu es bizarre. Tu es bizarre. C'est pourquoi si vous êtes marié, voici le test des bonnes femmes. Ce sont des femmes qui aiment ta femme et qui supportent la présence de ta femme. Et qui même, quand tu le présentes, ta femme, elle s'attache à ta femme plus qu'à toi. Une bonne sœur. Mais une femme qui ne supporte pas la présence de ta femme, c'est un mauvais signe. Qu'est-ce que tu as Amen. Hein? Pareil aussi, si tu as un ministère, tu es ma sœur, tu vois un homme, il aime bien travailler avec toi, mais il ne supporte pas la présence de ton mari. Quand tu es là, il part, mais quand il ne supporte pas ton mari, c'est un mauvais signe. Il n'est pas venu pour bénéficier de ton ministère, il est venu le détruire. Amen. C'est pourquoi, si tu es marié, Dieu ne te donne pas la femme pour rien. Pas seulement pour préparer. Dieu te donne la femme pour te protéger. Pour éloigner les mauvaises femmes, et Dieu te donne ton mari pour éloigner les mauvais hommes. Amen. Des femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Dans le ministère, il faut être poli. Il faut apprendre à dire s'il vous plaît. Il faut apprendre à dire je vous prie. Amen. Il faut apprendre à dire est-ce que vous pouvez s'il vous plaît. Nous n'aimons pas ici à la compassion des gens qui quand ils modèrent, c'est comme si c'est les services militaires. On n'aime pas ça la compassion. Si tu es modérateur et tu le seras un jour, à la compassion nous n'aimons pas les modérations services militaires. Debout debout. Allez allez. Bête non non. S'il vous plaît, pouvez-vous vous tenir debout? S'il vous plaît, maintenant, c'est l'heure des offrandes. Nous allons apporter nos offrandes. Merci que Dieu vous bénisse. Nous allons élever nos mains devant le Seigneur. Tu respectes les gens. Tu parles comme dans un avion. Amen. J'ai pris un avion pour aller à Lubumbashi. Ah! Vraiment, ça, c'était pas. Ça, c'était pas une bon, bonne bon. manière Soyez les bienvenus dans cet avion. Nous sommes dans ceci, ceci, ceci. Ce. Je dis, eh, avion, quoi? <laughs> je me suis rendu compte ce jour-là que la douceur même de l'hôtesse vous garantit que l'avion sera stable. Donc aussi, lorsqu'un nouveau venu vient dans une église, il trouve une modération militaire. Il s'est dit, en église, Je viens de la maison, je suis calme, riant. J'arrive là, tellement! Eh! Nini! Frère, pointe tes faut ça. Et bon, ceux qui n'attendent pas là, ça. Amen. Hein? Ayez de la classe. Amen. Ayez de la classe. Parlez aux gens respectueusement. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quitté chez lui à la maison, il est venu à l'église et qu'on te donne un micro, une chair, que ça fait de toi le tout-puissant. Amen. Parce qu'il y a des gens, s'il a la chair, c'est moi-là, il devient tout puissant. Respectez les gens, honorez les gens. Ce passage révèle ceci, qu'à l'église, il faut tenir compte de l'âge. Amen. Il faut tenir compte de l'âge. Vous êtes dans un département, vous chantez dans une chorale, et parmi vous, il y a un adulte, vous devez le traiter d'une certaine manière. Vous êtes dans un département d'intercession, il y a un adulte au milieu de vous, vous devez le traiter d'une certaine manière. Sinon, l'adulte, là, va quitter. Et il y aura plus d'adultes parmi vous. Et dans cette église, nous luttons pour qu'il y ait des adultes. Alors, les peu des adultes qu'il y a, il faut qu'on les traite avec respect. Amen. Hein? Respect. L'onction qui te un poli est un démon. Amen, hein? hum. Ah oui, hein? Parce que nous, il y a des formations quand... Avant, quand on était des jeunes dans le ministère, c'était grave. Quand tu es sous l'onction, tu en profites là, maintenant, pour, euh, te venger. Agène-toi, agène-toi. Pendant que tu pries là, tu craches sur lui. Ouais, ouais, ouais. Tu lui dis, lève les mains. 30 minutes. Il veut faire descendre. Sand... Matissa les sous -sous. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait des choses, hein. Dieu m'a déjà pardonné. <laughs> <laughs> Je t'assure. Ah non. Je ne sais pas ce que j'avais. Ma tête n'allait pas bien. <laughs> non. Peut-être c'était la jeunesse. Amen. Même quand vous prêchez. Des fois, n'est-ce pas, quand nous prêchons, nous demandons à ce qu'il y ait des personnes qui montent devant pour qu'on donne des exemples. Dans ta manière même de choisir les gens, il faut choisir plus les jeunes. Tu ne vas pas choisir les adultes. Amen. Amen pour exposer un adulte, et même des fois, même quand tu pries pour des gens sous l'onction de l'esprit, quand c'est une maman, quand c'est un papa, il y a une manière aussi de faire, il y a une manière de faire, amen. Hein? Tout ça, il faut de la manière, il faut du tact, et ça fait beau lorsque l'onction et la politesse se mélangent, c'est beau, c'est divin amen. Hein? parce que le saint-esprit, c'est un gentleman. c'est pourquoi on ne parle pas de possession du saint-esprit. on parle de plénitude. et pour parler de plénitude, la plénitude est progressive. donc, elle dépend de ta volonté, de ta collaboration. mais la possession, elle est automatique. le saint-esprit te remplit progressivement. tu acceptes, il te remplit. tu acceptes, il te remplit parce qu'il est gentleman. mais les démons, tout à côté. impolis, les démons sont des impolis. c'est pourquoi ils possèdent, ils prennent de force. mais le saint-esprit, il te demande, est-ce que je peux te diriger Est-ce que je peux te conduire Peux-tu prier Il te réveille à 4h du matin, tu te réveilles. Et puis, tu refuses de, 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 de prier, tu dors. Est-ce qu'il vient encore, il te tape Il te laisse. Gentlemen, amen. Hein? C'est pourquoi moi, je ne crois pas à ces choses où... Tu peux insulter les gens parce que tu es sous l'onction. Non, chaque fois que tu dérailles en parole, présente tes excuses. Amen. Voici encore. Huitièmement. Septièmement. Hein. Il ne faut pas donner des faux témoignages pour motiver la foi. Amen. Ne mange jamais au nom de Dieu pour que Dieu agisse. Il ne faut pas donner des faux témoignages pour motiver la foi des autres ou pour paraître extraordinaire ou fabriquer les miracles ou les témoignages. Ne fais jamais ça. Dieu n'a pas besoin de ton aide par des faux témoignages, par des faux miracles. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour que les gens croient en lui. Si Dieu a beaucoup agi, dis qu'il a beaucoup agi. S'il n'y a pas eu des grandes choses, dis les choses clairement. N'invente pas. N'amplifie pas les témoignages. N'amplifie pas les miracles, amen, n'amplifient hein, pas. Nous voyons un passage dans Nombre 3, verset 4. La Bible dit ceci. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Et Léazar et Itimar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père, Nadab et Abu étaient les fils d'Aaron. Ils étaient appelés à le remplacer dans le sacerdoce. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait un jour Ils ont amené un feu étranger, un feu qui ne venait pas de Dieu. Ils l'ont amené dans la présence de Dieu et Dieu les a tués. Et il les a tués, ils n'avaient pas d'enfants. Ainsi, il n'y avait pas de remplaçants et quelqu'un d'autre a pris leur place et ils sont morts sans laisser de traces parce qu'ils ont amené le feu étrange. Bien aimé, ces choses aussi, des gens qui inventent des miracles, Dieu va les frapper. Pas seulement les frapper eux, il va frapper aussi les enfants. Ces choses aussi, de payer l'argent à quelqu'un pour dire, toi tu seras aveugle, toi tu seras paralytique. De la même manière, on fait des réunions. Qui sera modérateur, prédicateur Yo bimakoka, yo ma yo yosu Oh kabola batache. Posez-vous cette question. Comment quelqu'un peut être orgueilleux à un point, plus qu'un, plus qu'un païen, impudique plus qu'un païen, mais Dieu aime l'utiliser tout le temps. Ça, c'est quel Dieu? Comment quelqu'un peut être impudique, orgueilleux, cupide comme tout, mais Dieu lui donne tout le temps des prophéties et des visions, comme si l'impudicité donne l'onction prophétique? Comment ça? Ça ne vient pas de Dieu. C'est un feu étranger. Je dis, c'est un feu étranger. Et si tu es ici, plus tu pêches, plus il y a des miracles, plus tu pêches, plus tu as des prophéties, tu as un feu étranger en toi. Parce que le véritable Saint-Esprit s'attriste lorsqu'il y a le péché. Quel est ce Saint-Esprit qui se rejouit du péché et il t'utilise plus tu pêches? Amen. J'aime lorsqu'il y a des miracles dans un endroit. Il y a la sainte doctrine et la sainteté. Mais quand il n'y a pas la sainte doctrine et il n'y a pas la sainteté, il y a des miracles et des prodiges, j'ouvre mes yeux et je ne crois pas facilement, à moins que Dieu, pendant un temps, puisse utiliser l'homme de Dieu en attendant qu'il se répande, mais lorsqu'il s'entête des années, des années, les choses continuent, ce n'est pas de Dieu, c'est devenu un esprit d'égarement qui a pris la place et le jugement est prêt. Mais pas seulement cela. Pourquoi des fois j'ai du mal à venir ici vous raconter clairement tout ce que Dieu fait dans la mission. Vous savez pourquoi C'est la crainte qu'en racontant, je puisse avoir la tendance d'amplifier les choses et de pécher. Parce que tout le monde, lorsqu'il va faire un voyage missionnaire, quand il veut faire un rapport, tout le monde aime embellir le rapport, n'est-ce pas N'est-ce pas Alors j'évite trop, j'ai dit non, il y avait ça, 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 je m'arrête là, de peur d'entrer dans des détails et il se pourrait que naturellement et charnellement, je puisse chercher à trop embellir la chose et Dieu me frappe. Parce que Dieu n'a pas besoin du mensonge pour appuyer la vérité. Amen. Voici. Quelqu'un vient à l'église. Il est guéri. Des maux de tête, mais vous amplifiez ça comme un mort et ressuscité. Il est guéri, il est guéri. Alléluia, Alléluia. C'était quoi le rhume Pourquoi Pour créer sa main. Alléluia. L'onction de Dieu touche quelqu'un, il tombe. Vous en faites tout un tralala. Qu'est-ce que tu sens? Je sens le feu. Le feu de Dieu est ici. A quoi il y a intercession, Sers Dieu dans la simplicité. Amen. Laisse Dieu faire sa propre publicité. Et si même Dieu t'a utilisé, relate la chose telle qu'elle est. Amen. Dieu a guéri telle personne. Dieu a fait cela. Tu t'arrêtes là. Ne dis pas, jamais cela n'a jamais été fait. Depuis que le monde existe. Évitez les superlatifs dans les témoignages. Les superlatifs. Jamais il n'a été fait. Comme des fois je vois. Une manière de parler. Quelqu'un va dans un endroit, il fait une croisade, et quand il raconte l'histoire, il dit, depuis que le monde existe dans telle nation, jamais une telle croisade n'a eu lieu. Dis donc. La salle a trois mille chaises, et il y avait trois personnes assises, mais tu dis, il y avait six mille personnes. Ils étaient assis où? Les uns sur les autres. Le stade a une capacité de 40 000 places, mais tu dis qu'il y avait 200 000 personnes, mais il y avait personne dehors. Maintenant, Bazalakiwa, Bando Pép. Amen. Faites attention. Lorsque vous faites le rapport des chiffres, des nombres, faites attention. L'église a combien de membres? Si vous êtes à 20, dis 20. Alléluia. Ne va pas ajouter les chaises vides et même les passants. Beaucoup de gens mentent sur le nombre des fidèles. Beaucoup. Vous êtes à combien 1000, 2000. Bah, mille mille. Je vous assure, une chose nous était arrivée lorsque nous étions à l'EMA. On n'avait jamais compté les fidèles. Et vous voyez, tous les fidèles prier dans des églises grandes. Hein C'est une maladie de l'orgueil que nous avons chacun de nous. Alors qu'est-ce que nous pensions que nous étions à 800 On pensait qu'on était à 800. Donc quand tu regardes les gens comme ça... En tout que ça va combien? Bah, 800 pasteurs. Et moi aussi, je croyais que c'est ainsi. Je disais, on est à 800, on est à 800, à 800. Le jour, maintenant, qu'on déménage, et qu'on prend les chaises qu'on avait, on les met dans le bus, il n'y avait pas plus de 300 chaises. Et puis, j'ai dit aux gens, mais si maintenant, on est à 300 chaises, les trois cultes ne se remplissent pas, parce que si ça se remplit trois fois, ça fait 900. Il arrive qu'au premier culte, il n'y a pas beaucoup, au deuxième, et donc ça peut faire une moyenne de 600. T, Pasteur, T, 800. Pourquoi l'homme aime se mentir à lui-même Il n'aime pas voir clairement la réalité de son ministère. C'est ainsi qu'il y a trop de mensonges sur le nombre des fidèles, le nombre des gens qui ont participé à une action, le nombre des miracles et des guérisons. Je viens de Bruxelles. Il n'y a qu'un seul paralytique qui a ma marché 1. D'autres, ils ont été guéris, ils ont levé les mains, et on n'a pas eu le temps de recueillir les témoignages, je ne sais pas de quoi ils ont été guéris. Plusieurs, c'est vrai, ont été baptisés du Saint-Esprit, plusieurs ont été délivrés des démons, plusieurs ont reçu Jésus, mais pour ce qui est d'un paralytique. Pourquoi je veux dire deux ou trois? Est-ce que Dieu en a besoin pour être Dieu? Même quand il n'agit pas, il est Dieu. Quand il était à la croix, il ne faisait rien, il était Dieu. Ce n'est pas moi en mentant que je veux faire que Dieu soit Dieu. Amen, hein? Ne mentez pas. Des fois d'autres mentent même sur les voyages qu'ils font. Si tu fais un escale, tu quittes un endroit à un autre, alors quand tu par ce pays-là, tu le cites aussi parmi les voyages que tu as fait. alors que tu avais survolé le Cameroun, tu dis j'étais aussi au Cameroun, pourquoi Parce que l'avion avait survolé le Cameroun pendant que tu allais à Dubaï. Ou si même tu avais fait l'escale pendant 10 minutes et on a fait descendre des gens et puis tu es remonté, tu cites aussi j'étais aussi à tel endroit, tu étais en escale ou vraiment tu étais là, tu avais quitté même l'avion. Pourquoi ajouter tout ça Il y a des gens qui n'ont jamais voyagé, qui ont plus d'anxions que les gens qui voyagent tout le temps. Vous pensez que voyager, c'est ça le ministère, et aller partout dans le monde. Nous serons étonnés au dernier jour au ciel. Il y aura des pasteurs qui viennent de l'Équateur, qui seront parmi les grands au ciel, et des gens qui voyagent dans le monde entier, qui sont les petits. Tu n'as pas à ajouter, à surenchérir ton CV spirituel. Amen. Hein? Tu n'as pas fait l'école biblique, dis-je, n'ai pas fait la théologie. Comme moi, je n'ai même pas un gradué en théologie. Vous voyez là, je n'ai même pas un gradué en théologie. J'ai fait l'école biblique pendant une année, puis je suis parti. J'ai m'ennuyé. Donc, comme vous voyez là, c'est la Bible seulement. Au long église, au long, le je hébreu, grec, hébreu. Je ne vais pas te mentir. Pourquoi, pourquoi dire? oh, ben, je prie dans cette église. Le pasteur est théologien parce qu'il a une licence. Lisant... Non, a monté. Je n'ai même pas une licence à l'école, à l'école de l'école. J'ai arrêté mes études en troisième graduat Soko Bando quand c'est Nazar licencié, Ozar décile, longuement orale. Pourquoi mentir Pourquoi mentir Quand ton témoignage est vrai, la louange est vraie. Ainsi, qu'est-ce qui en sort de ce que je viens de dire Donc il est possible que le Saint-Esprit enseigne quelqu'un. Il est possible que le Saint-Esprit donne l'intelligence. Il est possible que le Saint-Esprit te révèle les écritures. Il est possible que quelqu'un qui n'a pas fait la théologie, mais parle comme un théologien. Il est possible qu'un homme qui n'est pas licencié parle comme un docteur en je ne sais quoi. Mais quand maintenant tu arranges ton témoignage, tu es en train d'abîmer le vrai témoignage. Tu es déçu? C'est pas grave. C'est ce que je suis. Mon secret, je lis beaucoup de livres. Je suis un autodidacte théologien. Il y a ton voisin, Coco, c'est la seule n'zambe ma Il est le Dieu de toute suffisance. Amen. Acclamons le Seigneur. Mais je vais étudier. Ne vous en faites pas. Par correspondance. Les temps, j'ai pas les temps. Si j'avais les temps, vraiment, j'allais. Allez. Une autre chose. Il faut bien tenir ta maison si tu es serviteur de Dieu. Il faut bien tenir ta maison. Vous allez m'excuser, je veux parler, mais quand je vais parler, c'est pas que je m'attaque à quelqu'un parce qu'il y a maintenant un problème au Congo. Si tu dis ça, tu as attaqué quelqu'un. Si tu dis ça, tu as attaqué quelqu'un. Mais non, qu'on prêche à des pierres ou aux anges. Amen. 1 Timothée 3 verset 4 à 5. La Bible dit ceci. Il faut que l'évêque dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas de diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Amen. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Avant de prendre soin de la maison de Dieu, tu dois prendre soin de ta maison. Si tu ne tiens, prends pas soin de ta maison, tu ne peux pas prendre soin de la maison de Dieu. Si tu prends mal soin de... Ta maison, tu ne peux pas prendre soin de la maison de Dieu parce que c'est la manière dont tu prends soin, ta maison qui détermine la manière dont tu prendras soin de la maison de Dieu. Amen. Prendras soin de la maison de Dieu. Dans la maison, qu'est-ce qu'il y a Il y a ta femme, il y a ton mari, il y a tes enfants. Si ta maison est désordonnée, tu ne peux pas servir Dieu à l'église. Je viens chez toi, tu es mon collaborateur. Les chaises par là, les casseroles sur la table, les fourchettes là-bas, les linges là-bas. Je te suspends. Tu peux pas travailler avec moi. Tu vas amener ton désordre à l'église. C'est ce que la Bible dit. Je viens chez toi à la maison. Je trouve tes enfants tous, du premier au dernier, des impolis. Pasta. Déni. Tu ne peux pas servir Dieu à l'église. C'est ce que la Bible dit. Soyons bibliques. Hein? Amen. Amen. Voici ce que j'ai remarqué. Quand vous voyez l'enfant d'un serviteur de Dieu devenir un voyou, ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute de l'homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Mon fils aura ce que je vous prêche, je lui prêche. Je suis son ami. Il voit cet homme qui crie ici, mais quand je descends, je suis son papa, son ami. Il me dit tout, je lui, on cause, on parle. Il s'est converti. Je l'ai fait accepter Jésus. Il me parle comme un frère en Christ parle à son pasteur. Quand j'ai fini de prêcher, il me demande toujours, tu as prêché quoi et pourquoi? Son livre préféré, c'est l'Apocalypse. Il aime l'escatologie. Mon fils. Demain, mon fils peut devenir un voyou quand Lorsqu'il me voit ici en train de prêcher, Marie, aimez vos femmes, et à la maison, j'insulte sa mère, je bats sa mère. Quand il va voir que mon père est un hypocrite, il va rejeter mon Dieu, c'est alors que les enfants des pasteurs deviennent des voyous, parce que leurs parents sont des hypocrites. Un enfant petit, il te voit, tu vis la parole, tu aimes sa maman, tu l'aimes. Jamais tu ne l'insultes. Jamais tu ne le bats. Tu es un papa modèle. À moins que là, vraiment, Dieu te cherche un combat, une épreuve. Hein, parce que ça arrive aussi. Certains enfants de pasteurs jusqu'à un certain âge, ils refusent. Mais après, ils finissent toujours. Mais la plupart, cela est causé par la méconduite des parents. Vos enfants vous entendent tout le temps dans la maison, vous critiquez les gens. Vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez. Vous critiquez. Et ils vous voient quand ces personnes que vous critiquez quand ils entrent à la maison. Alléluia. L'enfant dit. Maman, papa, politicien. Donc chrétien, hypocrite. Tu leur as dit ça. Ils te voient, tu interdis des choses, mais à la maison tu les fais. Ils te voient, tu interdis des choses aux fidèles, à la maison toi tu les fais. Du coup, ils ne croient plus en Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez l'enfant d'un pasteur, acceptez de devenir pasteur, ne combattez pas ça, c'est un miracle. Pourquoi S'il y a quelqu'un qui peut refuser de devenir pasteur, c'est l'enfant d'un pasteur, parce qu'il peut connaître l'hypocrisie de son papa. Mais si malgré qu'il voit son père dans sa vraie nature, il dit, je veux faire le travail de mon père, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le mal dans son père, à moins qu'il y ait autre chose, des politiques, l'argent et tout. Mais quand c'est le vrai appel de Dieu, c'est formidable. Si tu ne tiens pas bien ta maison, tu ne peux pas servir Dieu. Un prédicateur qui tape sa femme ne peut pas prêcher. Si tu es prédicateur et si tu tapes ta femme, ne prêche pas. Maman, si on te tape, viens me dire. Maman, si ton mari qui prêche dans cette église te tape, viens le dire, il ne prêchera plus. Qu'est-ce qu'il va nous dire L'amour qui commence l'amour à la maison. Un prédicateur qui insulte ses enfants ne peut pas prêcher. Un prédicateur qui a un mauvais père ne peut pas prêcher. Alors pire, un prédicateur qui divorce, est-ce qu'il peut prêcher Un divorcé ne peut pas prêcher, à moins qu'il ait divorcé pour une seule raison l'adultère de sa femme, parce que la Bible le permet, et il faut avoir les preuves, mécanicité. Parce que si les femmes, les mamans pasteurs commettent rarement l'adultère, les mamans, mamans pinsa. À moins que tu aies la preuve, ou si la femme, comme une infidèle, ne supporte plus de vivre avec un serviteur de Dieu, elle s'en va, et puis elle se remarie, là, tu es libre. Si ce n'est pas pour ces deux cas-là, tu ne peux pas divorcer, ni pour raison de caractère, ni pour raison de sorcellerie. Même si elle t'envoûte, elle envoûte le ministère et l'église ne grandit pas, tu restes avec ta sorcière, tu la délivres, tu jeûnes pour elle. Dans le français de la maternelle, qui t'a envoyé Qui t'avait envoyé l'épouser Lorsqu'un serviteur de Dieu épouse une sorcière, c'est une punition qui n'a pas écouté Dieu. Parce que comment quelqu'un qui écoute Dieu peut épouser une sorcière? Donc, tu n'as pas écouté Dieu, tu étais tellement érotique, émotionnel, charnel, que Dieu t'a puni en te faisant épouser une sorcière. Mais si tu l'écoutais, jamais tu ne peux épouser une sorcière. Un homme qui écoute Dieu, même les jours du mariage, Dieu va te dire, attention! Et tu vas dire, non, non, balote. Alléluia. Et moi-même, je sais ce que je dis. Amen. Dans cette église, si tu divorces, tu prêcheras plus. Essaye seulement. Pasteur Justin, tu divorces, on t'enlève de l'extension. Tu es responsable d'une extension, tu divorces. Tu quittes l'extension, on met quelqu'un d'autre. Même s'il va trouver une église de 10 000 membres, tu quittes, tu n'es pas digne de prêcher. Et si tu donnes d'autres raisons là, nous devons faire une enquête pour être sûr que c'est vrai parce que on ne confirme pas l'adultère d'une femme en écoutant un homme, il faut écouter les deux. Un homme dit que ma femme a trompé, vous croyez directement Est-ce que vous avez écouté la femme Et aussi quand même, tu cries partout ta femme t'a trompé. Ah, c'est comme si tu cries partout mes enfants mangent dehors. lamba, bien te Il n'y a pas d'honneur à ça, l'honneur où tu vas dire pardon, ma femme m'a trompé, ma femme m'a trompé. Un homme, sa femme le trompe, il cache, il garde ça. Il ne crie pas partout. Si tu vois un homme qui crie partout, ma femme m'a trompé. Depuis longtemps, il cherchait une occasion de s'en débarrasser. Maintenant, il est heureux. Oh, j'ai trouvé le verset, il m'a trompé. N'est-ce pas, Gobu? la Amen. Hein? Lorsque tu divorces dans le ministère, qu'est-ce qui va t'arriver Une partie, si tu avais des prédications, remplis là. Une moitié s'en va. Tu ne prêcheras plus jamais. Tu prêcheras le tu prêcheras l'amour non. Tu prêcheras la suspension pour raison de divorce non. Tu prêcheras ce verset, celui qui ne tient pas bien sa maison. Non. Kiti. Amen. Et tu vas commencer à prêcher des prédications qui proviennent de ta tragédie. Ne change pas ta doctrine à cause de tes tragédies. Laisse la Bible tranquille quand tu as péché. Laisse la Bible tranquille. Ne viens pas transformer la Bible parce que tu as péché ou maintenant tu as des versets favoris. Pourquoi ils n'étaient pas favoris avant? Un péché qui t'ouvre les yeux d'un verset, il devient le Saint Esprit. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein. Amen. Ta femme vient à l'église avec un œil au beurre noir, ça veut dire des bleus, on te suspend. Tu es un boxeur, tu dois aller à WW. Tu n'es pas digne de prêcher la parole. Tu es servante de Dieu à l'église, ton mari tout temps se plaint que tu es une femme insoumise, tu ne peux plus travailler à l'église. Oui, tu es une femme insoumise et tu veux nous prêcher ici. Qu'est-ce que tu vas nous prêcher Tu veux nous prêcher quoi Qu'est-ce qu'une femme insoumise peut prêcher à l'église Qu'est-ce qu'une mauvaise mère peut prêcher à l'église Tu maltraites tes enfants, tu maltraites ton mari. Ta maison est sale et puis tu veux prêcher. Non, tu peux pas prêcher. Tu peux pas prêcher. Tu es prédicatrice avec une maison sale, en désordre. Qu'est-ce que tu veux nous prêcher Tu vas prêcher quoi aux femmes Tu vas nous prêcher quoi En soi, vous comprenez que par ce passage, la force du ministère vient de la maison. C'est la maison qui est la force du ministère, la maison. C'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, prenez soin de vos maisons. Amen. Faites que vos maisons soient propres pour que tu aies envie d'être à la maison. Faites que vos maisons soient ordonnées pour que tu aimes rester chez toi. L'un de mes secrets dans le ministère. J'aime rester à la maison. Il arrive deux fois ici. Je prêche au troisième culte. Je suis à la maison jusqu'à mardi 17h parce que j'ai réunion avec mes collaborateurs. Mais depuis dimanche à 14h quand j'ai dit Amen je suis chez moi à la maison jusqu'à mardi à 17h et si le mardi je n'ai pas de réunion je suis chez moi jusqu'à mercredi à 16h pour venir à l'église j'aime la maison n'allez là pas l'infort tu ne peux pas être un serviteur de Dieu tu n'aimes pas chez toi la maison tout le temps dehors, tout le temps dehors, tout le temps dehors tu vas où, tu viens d'où non, non, un homme de Dieu aime rester à la maison. C'est le lieu où il médite, il prie, c'est le moment où il est en communion avec sa femme et ses enfants. Amen. Hein? Si tu n'as pas de maison et que tu habites encore chez tes parents, voici ce que moi je faisais. J'avais une jolie chambre. Voici, cher serviteur de Dieu, habitant chez les parents. Non, moi aussi j'étais serviteur de Dieu, habitant chez les parents. J'étais même pasteur. Pendant une année, habitant chez mes parents. Voici, H, quand Dieu te bénit. Achète des beaux draps. Amen. Ne dépend pas de papa et des mamans. Fais de ta chambre ton royaume. Amen. Quand Dieu te bénit, tu achètes un beau matelas. Quand Dieu te bénit, tu achètes un beau tapis. Tu mets dans ta chambre pour que tu aimes beaucoup prier. Tu achètes des beaux draps. Quand Dieu te bénit, tu mets une belle armoire où tu mets tes deux vestes oh, bien là. Ta seule chaussure, tu la mets là. Amen. Hein? Tu mets des versets que tu aimes là. Ça devient un endroit quand tu entres. Tu n'as pas envie de sortir. Tu pries, tu pries. C'est là que Dieu m'a donné la vision de compassion. Tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'était dans la chambre de Lukwila. À Lukwila. Ma chambre du fond à droite. Où je n'avais même pas le parfum pour la parfumer. Pour la parfumer, je prenais le la poudre bébé doux. Vous connaissez pas, poudre bébé doux J'ouvre, hein, je mets sur hein, une petite assiette là. Comme ça, mon bébé soyez les gars. Attends-moi sur la bébé deux ans qu'à ta chambre. Mes volontés là qui m'a cassé mes ma coquille. Exacte pour que j'aime rester dans ma chambre lire la bible prier je n'avais pas un cd j'avais une toute petite radio là mais je la mettais pour que j'aie un endroit où je me retire avec dieu et quand dieu m'a donné une maison j'ai commencé à aimer cette maison là un serviteur de dieu qui n'aime pas sa maison tu n'auras pas un puissant ministère c'est pourquoi chère maman si tu es là tu es épousé un pasteur et tu le maltraites tu le pousses tout le temps à sortir tu es en train de détruire son ministère car il y a des hommes de Dieu qui ne restent pas à la maison parce que la femme est querelleuse querelleuse donc soit fan de et yindi pensa querelleuse querelleuse tout le temps c'est pourquoi même vous mes soeurs, qui avez le rêve d'épouser des pasteurs qui ont le rêve d'épouser des pasteurs levez les mains on oh, ne refuse pas la vision on a ni rêve Ma sœur, toi qui as la vision d'épouser un homme de Dieu, tu dois être une femme de paix. Amen. Hein? Une femme qui pousse ton mari à rentrer à la maison. Et quand il est à la maison, il faut qu'on le pousse pour sortir. Mais si tu es une femme querelleuse, tu vas le détruire. Et c'est lorsqu'il sortira qu'il va rencontrer des personnes qui vont détruire son ministère. Je crois même qu'il faudrait des conférences des femmes des pasteurs maintenant. Oui, parce que des fois, les ministères sont détruits à cause des femmes des pasteurs qui les poussent dehors. Soyez des femmes de paix. Celui qui ne peut pas prendre soin de sa maison n'est pas digne de diriger la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.